Comme d'habitude, je vous montre donc pour les nouveaux utilisateurs, pour pouvoir bénéficier donc des produits à 0 €. On ouvre Internet. On se rend dans le site Temu ou l'application Temu via un téléphone. Je vais copier et coller le code promo qui s'affichera tout le long de la vidéo dans la barre de recherche directement. Je lance la loupe et donc vous tombez ici sur l'article à 0 €, la planche à découper affilée pour préparer vos appâts à bord du bateau. Franchement, elle est super. Alors, elle est un petit peu chère, hein, pour être honnête. Mais bon, là, pour les nouveaux, vous l'avez gratuitement. Vous avez le QR code ici à flasher et vous pouvez profiter des coupons de réduction par tranche de commande. Pour les nouveaux, je répète, les nouveaux utilisateurs, pour leur première inscription sur le site de Temu, vous avez donc la planche à découper à 0 €. Et ici, vous retrouvez les produits que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Voilà, c'est tout simple. Un QR code à scanner et c'est parti. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Fada de pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une présentation, comme d'habitude, de produits de pêche et d'accastillage, en l'occurrence pour aujourd'hui, sur le site de Temu. Alors, cette vidéo, comme d'ailleurs les autres vidéos de Haul Temu, elle a pour but de vous présenter les produits que je reçois, vous parler de la qualité, de l'utilisation si j'ai pu les utiliser, parce que c'est vrai qu'avec le nombre de produits que je reçois, malheureusement, je ne peux pas tous les utiliser, c'est infaisable. Donc on les déballe ensemble, je vous les présente, je vous donne mon ressenti sur la qualité et l'utilisation si je l'ai utilisé. Et par la même occasion, je vous fais profiter pour les nouveaux utilisateurs. Les personnes qui n'auraient pas créé encore de compte Temu, je vous fais profiter avec un code promo que je vous afficherai à droite ou à gauche ou en bas, enfin bref. Je vous ferai profiter donc de réductions, de produits à 0 €. Et puis voilà, c'est juste dans le but, ça peut vous aider si vous étiez indécis sur la qualité. Et bien au moins vous le savez, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Je suis honnête avec vous, si je trouve que c'est de la merde, je vous le dis. Si je trouve que c'est de la bonne qualité, je vous le dis aussi. Au moins, ça vous aide à faire votre choix et à payer, bien sûr, des produits beaucoup moins chers. Malheureusement, désolé je suis désolé pour les petits commerçants de pêche qui, c'est quand même des sites qui leur font un petit peu de mal, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après, on y trouve notre compte aussi. Alors, c'est vrai que dans les leurs, tout ça, vous avez quand même la qualité. Sur des produits, on va dire, authentiques d'origine. Mais c'est vrai que sur des petites bricoles et des ustensiles ou des produits au quotidien dans la pêche, c'est quand même, ça vaut le coup pour nous, hein, utilisateurs, consommateurs. On paye ça moins cher. Et puis surtout quand on sait la pêche, que ça coûte relativement cher le matos et qu'on en laisse souvent au fond de l'eau. Ben voilà, ça vaut le coup. Donc, on va démarrer avec la présentation. Premier petit produit que je vous présente, c'est un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, voilà comment il se présente. Vous l'avez donc sur le site pour 16 €. Je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau pour cette période de fête. J'ai trouvé ça super sympa. Alors, je le déballe, regardez, je ne l'ai pas ouvert encore. J'ai reçu mon colis et je vous l'envoie. Hop! Voilà comment il se présente. Alors la boîte est sympa. Ok, donc 24 jours. Fishing Joy. Voilà comme il est. On a ici les cases avec à l'intérieur. À chaque fois, on va avoir des petits leurres. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, ça va être des leurres de pêche. Chaque jour, un nouveau leurre. Alors je vais pas ouvrir les cases parce qu'en fait, voilà, je l'ai reçu. Et je vais jouer le jeu, je vais l'ouvrir moi aussi en temps et en heure. Donc on commencera ça, je commencerai à ouvrir mes cases le 1er décembre. Voilà, je trouve que pour 16 € une idée sympathique pour les pêcheurs d'eau douce ou d'eau de mer.
Le petit calendrier de l'Avent avec les cases à ouvrir. Deuxième produit que je vous présente, que j'ai reçu, que j'ai commandé, c'est un ensemble. Vous les connaissez aussi, la plupart d'entre vous les connaissent. Ça vient d'arriver sur le marché. Bon, ça fait un petit moment quand même, mais c'est vraiment génial. Des Starlight rechargeables avec des clochettes. Le lot de deux Starlight avec une, deux, trois, quatre, cinq piles et deux clochettes, 3,50 €. Donc, je vous montre comment on les utilise, mais en principe, vous les connaissez. Je les utilise déjà depuis un petit moment. C'est vraiment génial. Celui qui a inventé ça, il s'est régalé, hein. C'est pas compliqué. Donc, vous avez le Starlight ici. Alors, ça va très bien aussi sur des cannes à muscles. Et moi, je les utilise aussi pour mes cannes de surf casting qui sont quand même relativement plus épaisses au niveau du sillon. Et on arrive à les accrocher. Vous avez un petit clip ici. Voilà. Vous mettez le sillon de la canne ici et vous venez le verrouiller. Ça tient très bien au lancer. Moi, je les utilise en surf casting. Vous n'avez plus besoin de mettre un Starlight avec du scotch ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vraiment génial. Vous le dévissez tout simplement. Alors, vous avez aussi, pas dans ce lot-là, mais vous avez aussi les chargeurs qui vont avec, que vous pouvez trouver sur Temu notamment. La petite pile comme ça, vous avez le chargeur USB que vous mettez, vous rentrez deux piles comme ça que vous branchez sur un USB normal. J'ai dévissé, je viens rentrer dans ce sens-là la pile, je l'enfonce. Alors là, on ne va pas bien le voir parce qu'on est en plein jour. Vous avez deux couleurs, le jaune et le rouge. Vous venez le revisser ici. Et ça dure très 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 longtemps. Franchement, vous faites une session de 8 heures largement avec. Et vous avez des piles de rechange. Hein. Voilà les piles. Une fois que vous avez terminé la session, vous le dévissez. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous prenez le Starlight, vous le mettez à l'envers dans son bouchon. Vous le revissez. Et ça vous fait aussi office de rangement. Donc les deux Starlight, les deux clochettes et le lot de 5 piles. 3,50 €. Il n'y a pas photo, ça vaut le coup. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Je me suis pris, comme d'habitude, mes hameçons préférés, les Gamakatsu. Alors là, j'ai pris que des tailles 4, parce que dans une vidéo précédente, j'avais pris des tailles 2, des tailles 1 et du 1,0. Hameçon à œillet, marque Gamakatsu, fort de fer. Des hameçons que j'adore. Franchement, les hameçons, hop, où c'est le prix que je regarde, je ne me trompe pas. 3 euros. 3 euros les 10 hameçons Gamakatsu. Vous avez plusieurs tailles de disponibles. À chaque fois, je vous mettrai la photo de ce que je vous présente et je vous invite fortement. Alors, ça, vous pouvez y aller tranquillement. Il n'y a aucun souci. Ces hameçons, ils sont géniaux. Il n'y a pas de problème. Ensuite, je me suis pris. Ah oui. Un petit sac pour ranger les moulinets. Parce que c'est vrai que moi j'ai les moulinets à chaque fois. Bon, moi à chaque fois je les enlève de mes câbles. Et je les mets dans un sac en tissu. Là je me suis pris un petit sac de rangement pour les moulinets. Vous l'avez à moins de 10 euros le sac. Donc voilà, je viens de l'ouvrir. Alors il me semble que vous avez plusieurs tailles à vérifier. Voilà le sac. À l'intérieur, vous avez comme d'habitude des compartiments à scratch pour pouvoir compartimenter ou non votre petit sac de moulinet. Ici, on a une fermeture éclair avec un filet. Et ici, tout simple, une boîte de rangement avec la petite poignée de transport. Alors, pour faire un exemple, donc là, j'ai un moulinet pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille. Là, j'ai un moulinet en taille 6000 que je mets dedans. Un 4000. Ah oui, et encore un 4000. Alors, il faut juste trouver comment les mettre. Pas faire n'importe quoi. Hop. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 moulinets. Un 6000 et 2 moulinets en taille 4000. À moins de 10 euros le sac. Voilà, voilà. Ça rentre largement. Les moulinets sont à l'abri une fois que vous les avez nettoyés.
rincer et nettoyer. Et vous avez votre petit sac de transport pour les moulinets. Franchement, je pense que ça, je vais même m'en reprendre un pour mes moulinets de surfcasting. Moi, je ne mets pas les compartiments. Une petite parenthèse aussi pour les moulinets, ça pourra servir peut-être à celles et ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Après chaque sortie, je vous conseille vivement de les rincer à l'eau douce. Alors, pas de l'eau sous pression, hein, pas au Karcher. Vous pouvez passer sous un jet d'eau ou sous un robinet à l'eau douce. Le frein fermé à fond pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur. Donc, avant le rinçage, vous fermez le frein à fond. Vous le rincez à l'eau. Soit vous le faites, vous le secouez un peu pour éventuellement enlever l'eau qui aurait pu rentrer à l'intérieur de la bobine. Vous les secouez, vous pouvez réouvrir votre frein, il n'y a pas de problème. Vous les secouez, vous les faites sécher soit au soleil, soit avec un petit chiffon. Et moi, ce que je fais après, c'est que je prends un chiffon en microfibre ou autre, hein, un vieux t-shirt, peu importe. Je mets du WD-40 dessus. Et je viens frotter les moulinets au WD-40 pour protéger de l'humidité et de la rouille. Tout simplement. Et ensuite, ranger dans sa pochette et prêt pour la session suivante. Ensuite, je me suis commandé un gilet de pêche. Alors ça, c'est le top pour la pêche au leurre, la pêche à la mouche, donc pêche en mer, pêche en eau douce. On va l'ouvrir ensemble. Alors, le gilet de pêche, vous l'avez à un peu plus de 23 euros. Franchement, c'est pas cher. On va voir ensemble la qualité. Voilà, je viens de l'ouvrir. Donc, alors, il est bien plié. Ok. Ok. Donc là, vous avez vos accessoires. Donc, c'est un gilet ventral. On a... Ah oui, d'accord. Il s'ouvre au milieu. Ok. Voilà. Les bretelles, le filet derrière, il est très très léger. Derrière, vous avez donc une poche dorsale, ici. Et devant, on a 1, 2, 3, 4 rangements par côté, donc 8 rangements au total. Ah non, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. 4, ah non, 5. On a 5 rangements. Alors, je vous montre qu'un côté. On a un premier rangement ici, très profond, qui va jusqu'en bas. On a un deuxième rangement ici. Le troisième ici. Le petit filet ici. Et on a aussi un rangement latéral ici, où on a beaucoup de place aussi. Vous avez donc deux côtés, donc les mêmes. Ici, on a aussi sur le dessus... des petits espaces pour venir clipser des mousquetons avec des pinces ou autre. On a aussi des rangements à l'intérieur ici. Vous avez une petite pochette avec le filet tout le là, tout le sur qui fait toute la partie du gilet. Et donc ça x2, donc on a même aussi, ouais, j'avais pas vu, un rangement ici en filet. Ouais, donc en fait c'est plein 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 de rangements où vous pouvez mettre vos leurres. Le nylon, le ciseau, la pince, tout ce que vous voulez. Je vais le passer. Donc ça, pour la pêche, une petite sortie pêche avec sac à dos, canne et les leurres. Voilà, voilà. Franchement, il est super sympa à porter. Bon, on a les sangles à resserrer. Je vous montre comment ça fait. Hop. Franchement, il est très 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 bien à porter. Ah oui. Alors, franchement, pour 23 euros, il n'y a vraiment pas de problème. La qualité est là. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Là, c'est peut-être pour accrocher quelque chose ici aussi. Alors, il est court, il s'arrête court, donc il gêne pas du tout au lancer. Très léger. Une petite boîte à leurre rangée de chaque côté, dans le dos, il n'y a pas de problème. Je vous montre comment ça fait dans le dos. Ah ouais, donc franchement ça évite d'avoir les leurres dans les poches ou dans le wader ici. Donc franchement il est top. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Et ben, il me tarde de l'essayer. Donc franchement il est super bien, la qualité a l'air d'être au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Les fermetures, il n'y a pas de fil qui dépasse, les fermetures... Il n'y a rien qui s'embraye. Non, nickel. Voilà, petit gilet de pêche.
Ensuite, on va mettre ça là. Alors, je vais accrocher le bracelet, magnifique. Hop. Ensuite, je me suis pris, ah oui, une pêche. Pardon, je remets la caméra. Une boîte de rangement. Alors, ça va être axé plutôt pour surf casting. Je vais y arriver. Mais en fait, moi, je vais m'en servir pour tout. Alors, c'est une boîte de transport avec la poignée. Vous avez aussi les sangles pour la porter comme un sac à main, en bandoulière. C'est une boîte avec les accroches de chaque côté, bien sûr. C'est une boîte à fond rigide avec deux compartiments. On a le premier compartiment. Je vais l'ouvrir face à vous. Alors celle-là, je suis super content. On va voir ce que ça vaut. Alors déjà, la qualité, il n'y a pas de problème. On s'en rend bien compte que c'est du solide. Pour cette boîte, on est à 27 euros. Vous allez me dire c'est un peu cher pour une boîte de rangement, mais quand on fait le calcul et qu'on va voir tout ce qu'on peut mettre dedans, on va s'y retrouver largement. Donc vous avez un premier compartiment sur le dessus. Je vais essayer un peu voir si vous les voyez. On ouvre ici, voilà, très rigide, avec une première pochette ici pour mettre, bon, après vous l'organisez un peu comme vous voulez. On a une fermeture ici qui fait bien sûr toute la largeur de la boîte. Ici, on a un rangement en filet. Voilà, pour y mettre pareil des hameçons ou plein de choses. Franchement, c'est grand. Alors, celui-là, c'est on va dire que c'est le premier compartiment. Et ensuite, on a donc le deuxième compartiment. Alors, ça, franchement, la qualité, vous voyez, c'est dur. Il n'y a pas de problème. Et là, on a encore un bloc de rangement. Je vais vous montrer vite fait. Donc ici, on a une grosse partie à scratch. Voilà. Ça a l'air bien étanche, bien plastifié. Ici, on a plein de petits compartiments pour mettre des couteaux, la pince, le fil élastique. Enfin, un petit peu tout ce que vous voulez. Même, vous pouvez peut-être même mettre des leurres avec sans hameçons ou avec les hameçons protégés, avec les protèges triples que je vous ai présenté d'ailleurs dans une ancienne vidéo. Et ici, on a plein de compartiments qu'on peut organiser à notre guise. On a aussi deux sangles ici qui sont réglables, qui permettent de garder le couvercle incliné. Et ici, regardez comment c'est fait en fait. Ce sont des compartiments dur que vous pouvez enlever. Ils sont tous amovibles et ensuite vous pouvez venir les glisser dans les fentes et faire les compartiments à la dimension que vous voulez. Donc franchement, je trouve ça génial. Les compartiments tiennent bien, la qualité y est et elle est super grande. Non, franchement, je suis super content. Je pense que juste avec une boîte comme ça, vous pouvez ranger tout le nécessaire. Hein. Tous les ustensiles que vous allez utiliser pendant la session, les hameçons, les plombs, les grappins, les aimerillons, les perles. Enfin, franchement, vous pouvez vous l'organiser comme il faut. Il n'y a pas de problème. Très rigide. Ça va. Oui, ça va avec ça. Et donc, franchement, la qualité. Alors, celle-là, vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Pour le prix, je pense que vous avez la boîte de rangement. Voilà, la qualité est magnifique. Alors, vous avez aussi une poche. Ah non, c'est pas une poche. Ok. Et la transport. Donc celui-là, ça, je vais vite la remplir. Et je vous présente. Alors j'ai commandé aussi le salabre. Que je vous présenterai un salabre. Donc salabre ou épuisette. Un maille en plastique, vous savez, où on n'accroche pas les leurres à l'intérieur, parce que c'est vrai que les salabres avec le filet, quand on remonte un poisson, comme un poisson dedans, on met trois quarts d'heure à arriver à enlever les hameçons dedans le filet, et des fois même moi perso je finis même à les couper parce que ça me rend fou, je me languis de rejeter et je passe 45 minutes sur un leurre dans une salabre, ça me gonfle. Donc là j'ai pris le salabre avec les mailles en plastique.
Le prix, je vous montrerai, je vous mettrai la photo et je vous le présenterai aussi un peu plus tard, dès que je le reçois en deuxième colis. Et là, je vous présente donc l'article qu'on a parlé, qu'on a vu ensemble au début de la vidéo. Je me suis pris, ça fait longtemps que j'en voulais une. C'est une planche à découper. Alors ça, c'est pour les pêcheurs en bateau. C'est une planche à découper pour préparer ses appâts sur le bateau. C'est les moules, les couteaux, les sardines, enfin un peu tout. Donc voilà comment elle se présente. Donc la planche à découper, elle est un peu chère. Vous en trouvez d'autres un petit peu moins chères, c'est sûr. Mais elle est un peu chère. Elle coûte 82 euros. Donc la qualité, il n'y a pas de problème. Vous avez ici la réglette pour mesurer les poissons. Ici, on a un petit compartiment. Je vous mettrai en haut ou à droite les dimensions exactes pour que vous puissiez vous en rendre compte. Elle est un petit peu inclinée ici, un peu bombée, pour pouvoir justement laisser s'écouler le jus des appâts. Ici, elle est trouée pour que le jus des appâts justement tombe dans la mer ou dans le bateau ou dans le lac ou dans l'étang. Et ici, on a donc le pied de fixation qui vient se mettre ici et verrouiller dans le porte-canne. En fonction de l'inclinaison du porte-canne, ça va dans tous les porte-cannes, aussi bien des porte-cannes verticaux qu'en oblique. Vous venez mettre votre planche à découper ici, la visser pour verrouiller si vous voulez ou pas, mais sans verrouiller ça tient très bien. Vous la rentrez dans votre porte-canne et vous l'ajustez en fonction où vous voulez dans le bateau, et franchement c'est génial. Donc ça, c'est vraiment un article que je voulais depuis un moment. Ils m'en ont fait cadeau, j'en suis très content, je les remercie d'ailleurs. Et la qualité, bon, c'est costaud à hein, 82 euros. Quand on a un produit à 80 euros sur Temu, ça reste quand même des produits de qualité assez costauds. Donc il n'y a pas de problème. Le pied en alu, réglable, verrouillable, orientable, qui rentre dans tous les porte-cannes. Et je vous mets donc les dimensions de la planche en photo. Voilà. Maintenant, on va passer à la présentation du salabre. Et donc là, on a donc le fameux salabre ou épuisette de marque Mucino. Voilà le salabre. Très très grand. Je vais vous le déplier bien sûr. Là, vous avez la marque. Je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Hop, ouais, comme ça plutôt. De marque Plusino. Très belle couleur. Maille en plastique et non pas en filet pour faciliter le décrochage des hameçons qui sont pris dans le salabre, hein, quand on épuisette un poisson. Donc là, il est pliant. J'ai pris longueur 1,50 m. Voilà, donc il est livré avec un protège-poignée. On a une poignée en caoutchouc ici et le système, c'est un système. Alors, très pratique avec le pouce, vous voyez, on fait comme ça pour le déverrouiller. Et écoutez, voilà, c'est quand même costaud. Quand ça fait ce genre de claque, on sent que c'est quand même pas du, on sent que c'est quand même pas de la daube. Il est très très grand, il doit faire 60 par 60 quasiment. Et de profondeur, il doit faire pareil. Je pense qu'il fait 60 par 60 par 60. Très très grand. Un manche télescopique. Très facile ce système avec le pouce là. Donc ce salabre là, vous le trouvez à moins de 22 euros. Donc franchement, à essayer. Mais ça a l'air d'être du costaud. Voilà, il est dépliable. Vous l'avez en plusieurs tailles. Très très grand. Et surtout, voilà, c'est surtout le. Alors, ouais, dessous, dans les protections, là, on dirait qu'il y a de la mousse, donc il doit être flottant, à mon avis. Il a l'air costaud. Ouais. Ouais, écoutez, pour 20 euros, il n'y a pas de problème.
Vous pouvez y aller tranquillement sur ce sabre. Hop. Nickel. L'avantage aussi sur le site de Temu, c'est que ils ont un service après-vente, un service commercial qui est au top. C'est très facile de retourner un produit dans le cas où vous en seriez insatisfait ou que le produit serait tout simplement dégradé, abîmé ou mal emballé, enfin peu importe, pour plusieurs raisons. Vous pouvez faire des retours de produits pour vous faire rembourser soit sur le site de Temu sur votre compte, soit sur votre compte personnel, votre compte en banque. Et vous pouvez ensuite recommander. Des fois même, ils vous disent de garder le produit selon ce que c'est. Ils vous remboursent sur votre compte de Temu et vous pouvez commander à nouveau un produit différent ou le même de bonne qualité. Donc sur ça, franchement, c'est un super avantage. Voilà, la vidéo de présentation est terminée. Je vous remercie de me suivre, de suivre mes sorties pêche toutes simples, conviviales et sans prise de tête. Je suis loin d'être le meilleur pêcheur du monde. C'est juste, je suis juste un pêcheur comme la plupart d'entre vous. Sauf que moi, ben, je diffuse sur YouTube mes sorties pour quelques tutos, passer un moment devant la télé ou l'ordinateur, passer une demi-heure comme moi je le fais avec beaucoup de pêcheurs. Je regarde énormément, je suis énormément fan de plein de pêcheurs et abonné bien sûr à leur compte. Ça me fait passer un petit moment tranquillement. Et voilà, donc ça me permet de faire des rencontres, de vous donner des conseils, d'en recevoir bien sûr, et de partager donc ma passion. N'oubliez pas de vous abonner parce que l'année prochaine avec le binôme Jo, alors je vous en dis pas plus parce que j'ai envie de garder la surprise. On s'en va faire un road trip de pêche sur plusieurs jours. Je vous dis pas où, je vous dis pas quand. Allez, je vais vous dire quand, ça sera, on va dire, au milieu de l'année prochaine. On a déjà pris tous nos billets d'avion. On se casse faire un road trip entre collègues et puis on va se régaler. Vous allez avoir droit à nos sessions en vidéo sur plusieurs jours, je pense. Donc il y aura plusieurs vidéos en espérant qu'on fasse du poisson. Mais bon, là où on va, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Je m'avance pas trop. Abonnez-vous, comme ça vous pourrez suivre tout ce road trip. Voilà, je vous remercie de vous abonner, de vous être abonné aux futurs abonnés. N'hésitez pas à écrire des commentaires pour discuter, échanger. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Allez, bis, bye.